Eh bien, c'est là, vous les amis sur bienvenue pour l'épisode 5 de cette mini-série sur FR 8.5 mode. Et là, ça va être un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus serré tout de suite. Pas un super départ. Oh la vache, ça va être le bordel. J'ai pas raté mon freinage, pas grave. Et un énorme trou là qui va se refermer sur moi. Ça n'avance pas. Les mecs, on est à 30, sérieusement. Ah, par contre, j'ai doublé personne là. Je sais pas ce qu'il y a eu là. On va y aller, il y a la place, je pense. La Ferrari s'est fait tasser, se sont touchés, une Ferrari. Puis là, il y a des petites bosses, évidemment. C'est du beau travail, on est en bonne position. Putain, je me rappelle, la première fois que j'ai découvert ce circuit, c'était sur la fin 2002. L'Autriche, incroyable, évidemment. Pour le coup, la Belgique était très longue, celui-là va être très court, je pense. Je fais le tour en 1 minute 8 peut-être. Quelque chose comme ça, maintenant qu'on est lancé. Un petit peu plus de mal à remonter là déjà. Beaucoup d'occasions de dépasser pour le coup. Ouais, Button qui bloque, une roue. Reste derrière lui toi, comme ça on veut passer, voilà. J'ai mis ma roue, il pouvait pas se décaler là, notre ami Montoya. On va aller chercher Fisichella maintenant sur la Renault. Aux prises avec une Sauber. Sauber de Villeneuve. Cartier Caillon qui a fait le meilleur poids, qui est en tête. Ouais, 1 minute 9. Ça se décale. Il n'y a pas la place pour que je donne. Que je tente quelque chose, oh, merci pour le blocage d'en roue. Je crois que les éclairs ont un petit peu poussé, je suis pas sûr. J'avais l'impression qu'il avait mis un petit coup de roue. Que ça passe sur les deux là. Je pense qu'il lui a mis un coup de roue pour qu'il ralentisse autant les éclairs. Un trou qui est là. Il y a deux voitures qui s'échappent, dont une Jordan. Baronda devant nous. Pour pas tenter là, la Renault. Oh, j'ai volé là. Merde. La voiture qui a sauté sur le vibreur. Jamais bon de monter sur ce vibreur là. Si la roue n'est pas parfaitement, bah vous dégagez. Si la roue n'est pas bien mise, ça dégage. On y retourne sur la Renault. Attention qu'il décroise pas. Il a pas la motricité. Ça glisse beaucoup dans le virage pour le coup. Normalement le circuit est très bosselé. Il n'y a pas de doute là-dessus.
On va être plus prudent sur ces joueurs là. On va arriver dans le dernier tour. Allez, au moins aller chercher mon équipier, ce serait bien. Ah, Sato, je peux aller chercher, je pense. Trouvi et Kling vont se ralentir là. Vu qu'il y a une tentative. Petit blocage de roue. Avance, Trouvi. Ça passe. Est-ce qu'on peut aller chercher un podium sur la Jordan, peut-être? C'est pas une Jordan d'ailleurs, c'est la Minardi. Mais c'est pas Stroll, mais c'est pas grave. On peut aller chercher la Minardi qui n'est pas très très compétitive évidemment. Est-ce que je vais pouvoir aller le chercher? Ouais, ouais, allez, allez, la vitesse de pointe. Oui, c'est bon. On a fait ce que Barrichello a fait à Schumacher. On lui a volé sa place. À cette époque-là. Je sais plus c'était en quelle année, mais. Mais vous m'avez compris. Alors que la fièvre retombe doucement après un grand prix d'anthologie, nous retrouvons les trois vainqueurs de la course. Je lui ai volé sa place sur la ligne, quoi. Les tenues sont quand même assez classe. La note elle rend bien avec la cassette Michelin, ouais. Ah, Montoya qui a pris 3 secondes, d'accord. Mais plus... Ah oui, les Minardi Jordan. Terrible. Terrible, bien devant de derrière. Bon, ils ont pas beaucoup de rythme, hein, forcément. Du coup, Edfeld qui remporte la course, suivi de Cartier-Caillon, on a volé sa place à. Un autre ami, je ne prononce pas son nom, on a gagné de 14 dixièmes, c'était tellement débile, 14 centièmes. Mais écoutez, plutôt cool. Et puis du coup, on conserve la tête au pilote et au constructeur sûrement, ouais. Bon, ça va être compliqué d'aller nous chercher, je crois qu'on a déjà gagné de toute façon là, quoi qu'il arrive. Mais on va quand même finir la saison parce que c'est plutôt cool. Merci à vous les amis d'avoir regardé cet épisode et rendez-vous bien pour le dernier sûrement en Malaisie. Salut à vous et à la prochaine.